Bonjour au peuple congolais, ici c'est votre médium Jetili. Je voudrais bien vous montrer la différence entre nos journalistes africains et nos journalistes congolaises. Peuple de Dieu, Ekokamusabino, la différence, le professionnalisme, peuple de Dieu, Ekokamusabino, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ekokamusabino, suivez s'il vous plaît. Lui, c'est un journaliste gabonais. Journaliste gabonais. Regardez, professionnalisme. Peuple de Dieu, il n'y a rien à voir avec nos journalistes congolaises. Peuple de Dieu, suivez, s'il vous plaît. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez rencontrer ce type? C'est un bouffon qui est là-bas. C'est pas la peine de rencontrer ce type. Venez perdre votre temps à Conakry. Tout ça, de la politique, mais sans insulte. Peuple de Dieu, de la politique, mais sans insultes, professionnalisme. Suivez, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'information, tout ce que vous voulez, je vous donnerai les informations. Pas comme ces escrocs qui viennent de me quitter tout à l'heure. Ils viennent me tendre une facture de 300 millions à payer pour qu'ils viennent faire... 300 millions de francs guinéens qui... Malien, Malien, journaliste malien, mais sans bêtises et sans insultes. Politique, mais sans insultes. Peuple de Dieu, suivez, s'il vous plaît. Mais ça veut dire que l'impact était quoi? C'est-à-dire qu'on se retrouve après avec... Terminons avec cette note triste ici à la RTI. Moussa Kamagaté Ngaraboko, journaliste sportif à la télévision ivoirienne RTI 1, est décédé ce mardi en France. Tour à tour, journaliste reporter, présentateur du journal télévisé, puis chef de service des sports. Kamagaté Moussa occupait récemment de hautes fonctions à la direction générale de la RTI. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Alors il faut y croire jusqu'au bout. La nouvelle est tombée ce mardi, aussi soudaine qu'inattendue. Moussa Kamagaté Ngaraboko est mort. Celui que la rédaction d'Espoir appelait familièrement Coran, ou le gondolier, ou encore Coach Waïd. Comment tu peux gagner de l'argent en louant des voitures? Je te parle de gens comme celle-ci. Professionnalisme. Journaliste, professionnalisme. J'ai pu réaliser cela en louant simplement des voitures au travers de plateformes d'autopartage. Politique, mais il est là pour aider la population de gagner de l'argent, peuple de Dieu. Il est là pour aider la population de gagner de l'argent. Business, mais journaliste de la politique, peuple de Dieu. Lui là, du Gabon, sans insulte. Donc oui, un véhicule peut être un actif et non un passif. Il te suffit de savoir comment l'exploiter pour qu'il puisse commencer à te générer des revenus. Regardez, s'il vous plaît. Et c'est ce que j'ai compris en 2018. Après là, c'est nos journalistes congolaises que regorge cet actif. Politique. La location de voiture est plus sûre et plus rentable que n'importe quel business. D'abord parce que tu n'as pas de risque à l'entrée. Il y a congolaise, beaucoup comme. Regardez. Et mes véhicules à moi sont remboursés en moyenne entre 18 mois et 24 mois. Ce qui me permet derrière de pouvoir soit revendre le véhicule ou soit continuer à générer du revenu avec ce véhicule. La location de voiture est le business le plus sûr et le plus sans que n'importe quel autre business, y compris l'immobilier. Pour l'immobilier, il te faudra 20 ans pour rembourser ton crédit. Or, avec la location de voiture entre 18 mois et 24 mois, tu as déjà fini de rembourser ton crédit sur le véhicule. Et la gestion est se faire de manière automatique. Elle se fait grâce à des boîtiers installés sur ton véhicule. En un mot, tu n'as pas besoin de rencontrer... Voici des congolais, journalistes et politiques congolais. Ndumba jusqu'à la moelle épinière. Asili si ma protocole t'attend. Moi si moukouna zuna ndak. Moi si wazana e chouchouna, soki mama chouchouna. Mais c'était une protocole là-bas. Il était déjà marié à qui a conseillé moi si ma kambo. Azo bimana protocole. Asambi ma mama na kati. Journaliste congolaise, professionnaliste. Regardez la professionnalisme congolaise. A se délivré nan noute. Il va me délivrer. Mouta. Preuve à Kindumba ya Mukuna. Mukuna va me délivrer moi, alors que lui-même Mukuna est incapable de se délivrer na Kindumba na ye. Mukuna est réputé. Mutu mutakala ne tambole Ndumba professionnel.
posé la question à Mukuna. Deux questions. Quand il m'a délivré, c'était quelle période, en quelle année? Est-ce que Mukuna a les images? Parce qu'il a une télé, il filme. Il a les images où moi je suis venu. Moi je suis venu à l'église de Mukuna. Quand? Pour que Mukuna, à l'objet, appelle ça trois jours. Un gros menteur comme ça. Un menteur. Voilà ces faux pasteurs qui racontent des mensonges sur la chair. Commence par délivrer Kindumba Nayo. Mukuna Azana Bamakangu a installé Bango par. Comprendre. Au ça, la guerre contre le Rwanda. L'autre, il est là. Journaliste congolaise, politicienne, professionnelle, journaliste. Écoutez. Quelle est la réponse que toi tu vas faire contre Kaga? Na vidéo li bosso na tchela kibino kasi le nyongo sama ki na disa beba balobi ko esilité ba extende yango c'est ba pousse yango ba ministre affaires étrangères ba okutana na ya Rwanda ba okutana siko yo sa ba tona gerne réunion avant bo ke na disa beba bozala ki na réunion na Kenya kuna na Nairobi siko ti temps un an comment s'appelle ce monsieur là Chico Titan, pas Chico Titan, boy. Qui a donné à Kagame la possibilité à Roya Kobenda Raba Ornako? Tant que Kagame a été usine à miner et à retraiter, insulte tout le monde. Nous avons des alakis à Korna, Bamba Sinakina Félix Tshisekedi. Si quoi, Bazomona Keno, tout le babo et tout ça, le protocole, ça va Lukuta. Et puis, guerre, Moko Félix, on s'en a loin des actes. Il y a aussi la guerre en Rwanda. D'ailleurs, au coup, tu vas m'indérer, vas-y, talon à Moussika, vas-y, oh, ce monsieur est dangereux. Il peut embraser toute la région là, tu l'as là. Alors, quand tu as gagné la région, quel débat. That's why we were asking the USA or the UA. Franchement, regardez notre pays, comment nous sommes. Des bêtes partout. Peuple de Dieu, notre président a des travails sérieux, donc des travails énormes. Il faut changer tout cela. Des journalistes professionnels, regardez, travail. Que des bêtes inutiles. Quelle honte, peuple de Dieu. Regardez nos journalistes. Nulle part au monde que nous, les Congolais, peuple de Dieu. On a des problèmes sérieux. Peuple de Dieu, je ne vous mens pas. Je parle que la vérité. On a des problèmes sérieux. Nulle part au monde. Journaliste, il est là insulté na TV. Na TV. Tu n'as jamais vu ça. Que nous. Peuple, c'est incroyable. Na kamwak. Comment on est? Regardez. Peuple de Dieu. Je suis un médium. Pour oser pouvoir président, Dieu écrit ça avant au Botama. Je vous parle quelle la vérité. Dieu écrit ça avant au Botama. Sinon, au mata okita okokoma présidenté. Et pesameli moutounion sauté. Je vous parle la vérité. Je suis un médium, homme de nuit. Je vous parle la vérité avant okoma président. Ozoa pouvoir même na négnion sur la guerre. Okomi président. Et komama avant au Botama. Dieu a komayango avant au Botama. Peuple de Dieu, ezali azarte ou chancité, Nzambe a koma yango ava obotama. Mais sinon, Papa Etienne, mais azoaka pouvoir, to bunda na denge nyonso. Papa Etienne, Tshisekedi, azo pouvoir, to bunda na denge nyonso, ba marche na denge nyonso. Ba marche na Congo et toka, ba mort denge nini, mais azoaka pouvoir te car.
et comme makate peuple de Dieu. Mais fachi et comme maman zambe a komaka yango ke akokoma président. Et alors vous vous combattre mut oyo nzambe atena pouvoir. Peuple de Dieu, vous combattre mut oyo nzambe atena pouvoir contre Dieu et vous. Peuple de Dieu, vous êtes maudit incroyable. Bon batama, mais un jour, tokozwa kabino. Je suis un médium de Dieu. Tokozwa kabino un jour. Insultez notre papa. Numéro un de notre pays. Vous insultez lui. Numéro un de notre pays. Tokokutanaka un jour. Bokomona, un jour. Président et Pesameli Moutounion Sauté. Peuple de Dieu, poussons sur Wana et Pesameli Moutounion Sauté. Je suis un médium homme de nuit. Peuple de Dieu, Moutouyon Zambé a tché na place Wana. Et vous, vous combattrez. En plus, insultez, insistez. Numéro un de notre pays, un président. Problème et réalité. Un jour, vous allez payer ça très cher. Les loter. Bon, finga, combien? Problème et réalité. Mais un jour, vous allez payer ça. Un jour, les loter. Vous êtes maudits à jamais. Contre Dieu, vous. Contre Dieu, vous. Moutou oyo, nzambe a tewana. Ezali, epesameli moutou, nyo sote. Pouvoir. Écoutez bien, pouvoir et pesameli moutou nyo sote, peuple de Dieu. Vous combattrez moutou oyon zambé a tse. Vous êtes contre Dieu. Problème et réalité. Mais un jour, toko monanaka, vous allez voir, vous allez payer très cher. Car notre président a une mission, yako changer Congo. Il est là. Tout le temps, voyage, tout le temps, voyage. Et vous, tranquillement chez vous. Vous boire tout ça tranquillement chez vous. Lui, il voyage la nuit. Quel risque il prenait, notre président. Quel risque. Tout le temps voyage. Tout le temps voyage. Avion. On ne blague pas avec l'avion, peuple de Dieu. Ou la vie, ou la mort. Et lui, on a avion. Problème n'est qu'un avion et quoi. Mais lui, il prend son risque de voyager tout le temps. Pour libérer notre pays Congo. Et vous, vous êtes là à l'insulter notre président, peuple de Dieu. Problème et salité. Vous allez prier un jour. Je suis un médium de Dieu. Lobake, Zambé Atakayete. Pour Okoma, président, Omata Okita, ce qui nous a mis à Komakate. Peuple de Dieu, Ava Obota, Zambé à Komakayangote. Et ça dit azarté, magité, chancité, peuple de Dieu. C'est Dieu qui met, peuple de Dieu. Je vous explique la vérité. Je suis un médium de Dieu. Fati est comme maman qui a comme président, peuple de Dieu. Maintenant, des gagnants sont, peuple de Dieu. Dieu a ponakaye, l'élo a comme président. Et ça dit azarté. Et ça dit azarté, peuple de Dieu. Il faut respecter notre président. Je demande cela. De respecter notre président. Je suis un médium de Dieu. Ça suffit. Confine à notre président. Partout, peuple de Dieu, tous les jours. Vous allez payer ça un jour. Vous allez payer ça. Je suis un médium de Dieu. Ciao. Au revoir.